cheveux longs et yeux clairs. Ce fils de célèbre sur lequel Françoise Hardy a fantasmé, mort tragiquement. Incontournable dans le paysage musical français, Françoise Hardy est aujourd'hui aussi célèbre pour sa voix douce et ses chansons d'amour que pour sa propre romance avec son mari Jacques Dutronc, qui lui a donné un fils, Thomas. Mais bien avant tout ça, la jeune Françoise était tombée amoureuse du fils d'un célèbre écrivain, qui ne l'a jamais regardé. Et si ce jour-là, dans l'amphithéâtre de Sciences Po, leurs regards s'étaient croisés? S'ils avaient fini par entamer la conversation, que serait devenue leur vie? Point. Dans son autobiographie « Le désespoir des singes » et « Autres bagatelles », sortie en 2008 aux Editions Robert Laffont, Françoise Hardy raconte avec tendresse une rencontre qui aurait pu marquer sa vie alors qu'elle n'avait que 16 ans et demi. Mais qui s'est finalement faite à sens unique? Alors que la chanteuse sort de l'adolescence en effet, sa mère l'inscrit à Sciences Po, où elle arrive en 1960 et commence ses études. La jeune fille ne rêve que de musique et finira, quelques mois plus tard, par aller présenter ses chansons, mais se souvient qu'elle a croisé un jeune homme qui l'a fait rêver dans l'amphithéâtre de l'école où elle n'est pas restée longtemps. Après avoir vaguement fantasmé sur le fils aîné d'André Malraux et de Josette Clotty, Gautier, que j'apercevais dans l'amphithéâtre et dont les cheveux longs et les yeux clairs me rappelaient mon bel inconnu des Innsbruck. Je m'enfuis en courant et troquaille la rue Saint-Guillaume pour celle des écoles, le niveau de la Sorbonne étant nettement plus à ma portée, raconte-t-elle en effet. À cette époque, Gautier, qui a 4 ans de plus qu'elle, étudie et espère sûrement avoir la même carrière que son père, devenu ministre de la Culture. Un père qu'il connaît peu. Sa mère, Josette Clotty, qui est brutalement décédée alors qu'il n'avait que 4 ans, n'était que la maîtresse de l'écrivain, qui n'a pas accordé beaucoup de temps à Gautier et à son cadet Vincent. Tous les deux ont grandi avec leur cousin, Albert, que la guerre a privé d'un papa et avec leur tante, Madeleine, la femme de leur oncle décédé et qu'André accent aigu Malraux a fini par épouser. L'aîné le beau Gautier aperçu à Sciences Po, avait 20 ans et son frère 18. Et en 1960, alors que Gautier a 20 ans, il n'a pas vraiment d'aïeux pour la très jeune Françoise. Après une aventure avec une comédienne plus âgée, il vit une passion avec une certaine Marie-Ange, qu'il prévoit d'épouser le même jour que son frère, Vincent épousera sa belle Clara. Mais la vie ne leur en laissera pas le temps. Alors qu'elle a quitté Sciences Po depuis plusieurs mois, Françoise Hardy apprend une terrible nouvelle en 1961. À la fin mai de cette année-là, je fus bouleversé d'entendre à la radio que les deux fils d'André Malraux s'étaient tués en voiture. L'aîné le beau Gautier aperçu à Sciences Po, avait 20 ans et son frère 18, raconte-t-elle dans son livre. Les deux frères, en vacances dans le sud de la France, se sont encastrés contre un arbre et seront enterrés près de leur mère. Un drame qui marque Françoise Hardy. Cependant, pour elle, les jolies choses ont commencé. Alors qu'elle a vécu sa première histoire avec un jeune homme des origines tunisiennes, Khalil, elle passe des auditions chez Pathé Marconi, qui repère sa voix si singulière. Et la suite, on la connaît.